toujours présente auprès de lui comme au premier jour de sa carrière. Dans les colonnes de notre magazine Gala ce jeudi 16 mars, Christophe Maé revient sur son parcours, son nouvel album intitulé « Si est-il drôle la vie », mais aussi sur sa compagne et mère de ses enfants, Nadège, avec qui il vit une histoire d'amour depuis plus de 20 ans. Une romance à la longévité exemplaire dont le chanteur qui a assuré à ses débuts les premières parties de Johnny Hallyday a bien voulu révéler le secret selon lui. Alors qu'il était en pleine interview avec notre journaliste à son domicile, la compagne de Christophe Maé est rentrée à son tour dans la maison, de passage pour seulement quelques minutes, a proposé rapidement les hospitalités d'usage à leur invité, avant de repartir. Notre couple s'est construit comme ça, fait alors remarquer Christophe Maé, avant d'ajouter, pour moi, le secret de la longévité. Si est-il avant tout se manquer, se quitter, pour mieux se retrouver, a-t-il confié. Le chanteur a également raconté combien Nadège a été sa première supportrice dès ses débuts et les sacrifices qu'elle a fait à ses côtés pour lui permettre de réussir. Aujourd'hui, sans elle, il ne saurait comment faire, Nadège me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Elle supervise tout à la maison, a bâti notre cadre de vie. Elle tempère tout le monde, surtout quand je suis à la fois là et pas là, trop préoccupée par l'écriture, la volonté de bien faire mon métier, a déclaré le chanteur. Christophe Maé, cette déclaration d'amour surprenante à sa femme dans son dernier album Si la famille tient une place importante dans le cœur du chanteur, il a également tenu dans ce dernier album à rendre un hommage particulier à la mère de Jules et Marcel. Une chanson dédiée à elle, qu'il décrit comme une déclaration d'amour, mais au titre assez étonnant. Le chanteur a en effet décidé d'appeler cette chanson « Ma femme me saoule ». Une boutade que la principale intéressée n'a pas mal prise selon le chanteur, ça l'a fait sourire, a-t-il assuré. On l'espère pour lui. Les confidences de Christophe Maé sont à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 16 mars ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, MPP.